L'arrivée de M. Marcel Dutille, le président du conseil du groupe K&M, est un vrai privilège pour la communauté universitaire ainsi que pour la municipalité de Claire. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir M. Marcel Dutille, président de K&M. Il est originaire d'une communauté rurale du Québec. Il a commencé à travailler à très jeune âge. Il a travaillé des longueurs. Il a tenu à ses principes et à ses valeurs. Et il est devenu bâtisseur d'un empire industriel. Un entrepreneur a confiance en lui. C'est un vendeur en premier. Convaincu, donc convaincant. De ses idées, de sa vision et de ses moyens pour réussir. Peu importe le secteur d'activité, il réussira à s'entourer d'une équipe de femmes, d'hommes, qui se battront à ses côtés pour réussir. Je m'appelle Aïcha Gueye, je suis étudiante en deuxième année en commerce international à l'Université Sainte-Anne. Ce qui m'a marqué dans la conférence de M. Dutille, c'est l'aspect entrepreneurial et puis comment est-ce qu'il associe l'entrepreneuriat, sa vie dans l'entreprise, avec sa vie de famille. Sa vie, c'est son entreprise. C'est 60-80 heures par semaine. Ça passe en premier. La conjointe ou le conjoint devront l'accepter au départ. Et ils vont faire la différence du succès ou de l'échec de l'entrepreneur. Ce qu'il a dit dans l'entrepreneuriat, dans le démarrage d'entreprise en milieu rural, c'est très important. Comme nous, ça nous met sur une bonne voie. Ça nous montre un peu le chemin qu'on doit emprunter pour y arriver. La chose qui arrête et qui tue des entreprises au début, c'est le crédit. On prend des premiers clients qui ont tout probablement un crédit qui est mauvais ailleurs. On accepte de prendre une première commande parce qu'on en est tous fiers, mais on est un peu gêné d'exiger des conditions de paiement claires et de les faire respecter. Le produit doit être de qualité. Vous devez respecter vos promesses de livraison et ce qui va avec. Reconnaître une erreur parce que ça arrive et de payer pour. Et la valeur universelle de tous ceux qui réussissent à long terme, c'est l'intégrité. Honnête avec ses employés, avec ses fournisseurs, ses clients et son banquier. Et votre banquier est capable d'accepter de prendre de mauvaises nouvelles, mais il n'est pas capable de prendre des surprises. Les étudiants ont pu voir durant la conférence que M. Dutille possède des vraies qualités d'entrepreneur. Il est audacieux, il possède le souci du détail, il est passionné par tout ce qu'il entreprend, il a accepté ses échecs, il est certainement un leader. Mais je le répète, produit de qualité, livré à temps, et puis les heures ne comptaient pas. Puis dans notre métier, la première chose qui compte, c'est « just in time ». Tu ne peux pas être en retard sur le chantier parce que le premier acompte que tu reçois de ta part de client, c'est une charge parce que tu es arrivé en retard pour la grue, pour les hommes. On espère que les étudiants puissent en prendre comme un modèle et que ça leur aide dans leur carrière dans le futur. Comme entrepreneur, ce que je peux vous dire, essayez de rester concentré dans votre métier. On est dans un métier cyclique et la chose que ça m'a pris 30 ans à apprendre, c'est qu'un cycle, ça monte, mais quand c'est parti en montant, puis en tant qu'entrepreneur, tu penses que ça va monter encore 10 ans ou 15 ans, puis que le dernier cycle qu'il y a eu, mais ça c'était pour les autres, c'était pour toi, c'est pas vrai. Ça revient. Ça revient aux 6-7 ans. Ça dépend des métiers, là. C'est sûr que si on serait dans des pharmacies, puis dans la santé, c'est un autre métier. Si on serait dans une banque, c'est un autre métier. Mais dans le métier de fabrication, regardez l'historique du métier que tu t'impliques, et puis ça te rattrape tôt ou tard. C'est au bout de l'effort que tu sais vraiment à quel résultat est-ce que tu es arrivé. Donc, c'est vraiment bien. Tant que tu n'y arrives pas, tu peux pas le savoir. Le succès dans n'importe quelle entreprise, l'actif le plus important, c'est ton monde, ta main-d'œuvre,
tes associés, tout ça. C'est ça qui fait la différence de n'importe quelle entreprise. Et une des cultures qui est bien importante, c'est que le client est le patron de tous, du boss en commençant. Pas de client, pas de business. On rencontre nos employés aux 3 mois, on les informe des résultats financiers, des carnets de commandes, on regarde avec eux autres les améliorations à faire, les équipements qu'on a de besoin. L'usine où ce que nos gens se travaillent, c'est leur usine. Il faut que cette usine-là soit rentable pour qu'eux continuent à avoir du travail puis à progresser. Nous, en tant que patron, c'est de lui donner les bons outils, de se tenir à date, que ce soit autant des softwares, des équipements modernes, puis tout. La dépréciation que tu prends, elle est vraie. C'est pas un cadeau du gouvernement. Tu prends 20% de dépréciation de tes équipements. Tes équipements, à fin de l'année, ils valent 20% de moins. Tu peux sauter une année, pas en remettre des nouveaux, mais après 3-4 ans, ça te rattrape. Marcel Dutille est l'exemple par excellence de ce que peut accomplir un esprit volontaire et novateur à partir d'une région rurale. L'entreprise passe en premier. Ça fait que quand on prend une décision, on s'assit, est-ce que c'est bon pour l'entreprise? Oui, correct. Si c'est pas bon, on la prend pas. Puis pour une entreprise familiale, le bien de l'entreprise, c'est aussi le meilleur pour la famille. Parce que si l'entreprise va mal, tout en subit les conséquences. Démarrer mon propre entreprise, et bien sûr, ça, c'est un rêve. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Ça fait qu'ici, il faut que quelqu'un trouve un produit là, très spécialisé, une niche. Là. Ça se trouve, mais il s'agit de tomber dessus. Puis après ça, la personne qui part une entreprise dans ça, ça peut être un service. Service, c'est tout probablement plus facile. Produits manufacturiers, puis tout, ça prend une très bonne niche. Une niche unique, puis ça prend quelqu'un qui est convaincu, puis qui va être convaincant, puis il va se coller une bonne équipe alentour de lui. Là. D'abord, il faut qu'il soit convaincu, il faut qu'il soit convaincant, il faut qu'il soit déterminé, puis hop, ça me fait de la peine, mais la qualité de la vie, là, puis la conjointe dit, faut que tu partes à 8h le matin, faut que tu rentres à 5h30, forget it. OK, là, sa business, puis il fait ce qu'il faut qu'il fasse pour sa business, pour la bâtir. OK? C'est de valeur, mais c'est ça.